Bonjour. On se retrouve pour la suite de notre épisode où, rappelez-vous, nous avions combattu Titan. Alors, je vous dis, rappelez-vous, en fait, l'épisode est pas encore sorti, il est en cours d'upload actuellement lorsque je tourne cette vidéo. Donc, vous voyez, je suis un petit peu en retrait par rapport à là où on était la dernière fois. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié de sauvegarder. Heureusement qu'il y avait les sauvegardes automatiques. Donc voilà, on doit aller voir Ramu, donc là où la foudre tombe, hein, on va pas avoir trop de problèmes à y aller, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début, il cause tout le temps, j'avais oublié ça. Hein. Oh, il cause plus dans la partie. Quoique, je crois qu'il y a des nouvelles phrases maintenant. Alors, la dernière fois, je vous parlais donc de mes élucubrations difficiles comme mot, hein, ça passe pas comme ça, hein, sur l'anneau. Et du coup, bah, j'ai pas eu vos retours et j'avoue, j'ai pas re-regardé la cinématique, donc je suis toujours un peu dans mon idée d'anneau. Enfin, l'anneau et la pierre, hein, vous saviez, le élu, pas élu, patati patata. Ouais. Donc, je suis toujours en attente de vos réponses là-dessus. Hein. Elle est liée au 6. Non, c'est vrai. Mais moi aussi j'ai volé là, vous m'énervez tout ça. À volter à côté de moi. Je suis jalouse. 400 mètres, parce que je vous rappelle qu'on a avec des chocobos parce qu'on n'a plus de voiture. Hein. Rappelez-vous, c'était Sardine qui nous l'a piqué, n'est-ce pas? Donc on est sur du piaf, clairement. Alors là, normalement, quand il pleut comme ça, il y a des crapauds qui remplacent la plupart, voire la quasi-totalité en fait des ennemis. Mais bon, comme là on est avec du chocobo, je pense pas qu'on y aura. Ah! What? J'avais oublié ça. Qui ça, Iris? Et de ton côté? 10 d'XP? Bon, attendez, on va se les faire, là, les... What? Oh, mais vous avez vu, j'ai fait une cascade, mais laissons tomber. C'était n'importe quoi. Ouais, bon, c'est peut-être un petit peu con de se mettre devant la machine, c'est pas faux. Alors, j'ai coupé hein, des petits bouts, je ne l'ai pas trop dit, hein, mais pour Titan. Parce qu'en fait, j'ai regardé let's play de Miam, justement. Et donc, vous savez, quand on est le long de la... Comment dire, sur le rebord là, et qu'il y a la main, et que je me disais, je me rappelle pas de ça. Alors, effectivement, si ça y était déjà avant. En revanche, oui, je sais pas ce qui s'est passé pendant mon combat. En fait, je pense que je me suis trop agitée au lieu d'attendre qu'il m'écrase avec son poing, je crois que c'est avec son poing, et qu'il fasse leur stratégie à ce moment-là. Donc là, je vous ai zappé un petit peu parce que j'ai regardé, à tout de même, ça durait pas tout ce temps. Hein. Vraiment, ouais, je pense que je me suis trop agitée dans tous les sens, et que c'est à cause de ça qu'on a. Que ça a duré tant de temps. Le principal. Il y en a un deuxième de... Ouais, il y a des ennemis. Écoutez, on va aller... Ah non, c'est notre compte Chocobo qui y a fui. En bah, je pensais qu'il y avait encore des soldats, mais non. Allez, c'est reparti, du coup. Attendez. Voilà, je voulais juste démarrer avec un petit cri de Chocobo. Ça... C'est le moment de se concentrer. Ils se foutent de ma gueule, ils étaient pas là tout à l'heure. Ouais, bon bah tant pis, hein, c'est bon. Je viens de monter sur mon Chocobo, j'ai la flemme de... De redescendre et de me retaper le tout petit moment d'attente, ça m'énerve. Par contre, j'aime pas quand il fait pas beau. Ah, je suis en train de faire de la merde sur le chemin. Ah non, c'est bon. Ouf. Bon, j'ai fait un peu de la merde, mais ça va. On n'a pas perdu trop de temps non plus. Alors, par contre, oui, très bonne nouvelle. Le chocobo. Oui, mais. Eh oh, je suis en train de gravir une montagne là. Je suis pas du tout dans le... Ah oui! Mais je me rappelle que je m'étais galéré justement parce que ici il y a des cailloux de partout et j'avais pas pris le bon chemin la première fois, je crois. Bon, là je crois que c'est bon, on est sur la bonne route, mais la première fois je crois que j'avais longé genre pendant 1000 ans. Ok. Alors est-ce qu'on va redescendre bizarrement comme tout à l'heure? Alors là j'appuie sur la touche descendre. Voilà, merci. Merci à toi, Chocobo. J'avais oublié ça. Enfin éveillé, a-t-il repris des forces? T'es qui? Gentiana, une escorte divine. Le prince a-t-il lu notre histoire? Ah ça! Non, pas vraiment. J'ai appris quelques trucs de Luna. De Luna Freya? Oui, Luna Freya... Heureuse de vous voir si proche. L'oracle et le roi se doivent d'entretenir de bons rapports. Le destin de ce monde dépend de leur synergie. Ça y est, je me souviens. C'était à Tenebrae.
avec Gentiana. Le foudroyeur attend toujours l'arrivée du roi. Hâte-toi et reçois sa bénédiction. La nation de l'Ouest craint le roi élu. Elle cherche à lui bloquer la route par tous les moyens qui soient. Qu'est-ce que t'as, Noct ? Encore la migraine ? Je sais pas si c'est la voix de Gentiana. Encore de la télépathie, c'est ça ? Ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé avec l'Archéen. Alors, c'est à 1 km. Non mais c'est abusé, en plus c'est tellement grand que 1 km. Ah, il faudrait qu'on chronomètre, regardez. Là, je suis à 10 minutes 51. Parce qu'en fait, il y a tout un passage auparavant que vous avez pas vu. On va voir combien de temps on est pour le faire. Ça va ? Ouais, me que disait la voix ? Que Luna veut réveiller les six. Oh non, ça, ça avance vite. Et bah, presse donc le pas. Hein. Je t'ai rien demandé, moi. Bah, attendez, on est d'accord qu'on a. Oui, on l'a plus la voiture. Hein. Parce qu'imaginez, tu fais ça plus tard avec les chocobos. En fait, on a la voiture. Putain, je serais lag. Hein. Alors, j'ose pas descendre de la route en fait. Parce que vous savez, des fois après, on peut plus remonter. C'est un peu chiant. Donc, je me dis, si je descends et qu'après, je dois longer pendant 3 quarts d'heure. Ce n'est pas très worse. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis la route. Dites, Gentiana. Elle est humaine ? Non, absolument pas. En fait, les messagers sont les intermédiaires des six. Nous, les humains, on a le rap. Les divinités, elles, ont les messagers. C'est une dame Luna Freya qui travaillerait pour les dieux. Je pense qu'on aurait pu descendre ici. Attendez. Oh, c'est pas là. Oui, on doit même... Je pense qu'on peut descendre ici. Avoir fait le bon choix. Je vais voir peut-être que je vais skip un petit peu ce passage. Je vais sans doute faire ça. Ah bah non, parce qu'on va pas. C'était vrai finalement. Vu l'enchaînement des événements, Luna a dû aller voir Titan juste après avoir quitté Insomnia. On doit une fière chandelle à la demoiselle, Noctis. Donc là, comme moi, vous voyez ces barrières et vous vous dites ah, on va peut-être pas pouvoir passer en fait. Eh bien, je suis inquiète également. Non mais là je peux pas passer parce qu'il raconte des choses et qui sont importantes pour l'histoire, alors c'est compliqué. Sinon si je vous fais des ellipses, ça va être genre des demi-ellipses, enfin ça ressemble à rien quoi. Ça va revenir d'un coup pour se retaper un moment de blanc. Alors je vais tenter de meubler. Là, c'est quoi cet endroit en hauteur? On est d'accord que c'est un sanctuaire, non? Non? Genre vraiment pas... Ah oh, putain, en plus je viens de tomber. Un génie. ouais. Ah encore un... Ah oh, mais ils sont partout ces types, oh là là. Bonjour, c'est vous qui avez notre... Absolument. Notre régalia. En fait, il y a juste un... Il y a même personne autour. Ah, c'est bon. Est signé, sa voix toute tracée. Rends-toi auprès du foudroyeur et reçois sa bénédiction. Oui, alors non. Moi, je ne peux pas me téléporter contrairement à toi. Alors, tu vas attendre un petit peu. Hein. Ah, mais oui, on doit se taper les trois coins. Je crois qu'il y a trois gens comme ça qu'on doit aller voir. Pourquoi faire? Pour qu'il te refile tous ses pouvoirs? La pierre splendide illumine le roi qui a été désigné. J'appuie, hein. Doit absolument tomber. Les puissances divines. Et cette fois, elle dit quoi? Que le cristal m'avait élu pour recevoir le pouvoir des dieux. C'est bon, on a fini de papoter, on peut descendre? Eh bah, dis donc, c'est un projet, hein. Ah, méga phénix, c'est bon ça. Le roi élu, il a des soucis avec des cailloux, alors on n'est pas là encore. Hein. Noctis, rejoins vite Fossio, la grotte de l'Est. Qui est donc à l'opposé. Le sceau est brisé. Dans les profondeurs de la terre, la dernière stèle attend le roi. L'envahisseur est en marche. Presse le pas. La dernière stèle, elle est dans la grotte. Merci pour l'info. Dépêchons-nous d'en finir. Et c'est contre Chocobo qui se casse tout le temps là, est-ce qu'on en parle ? Il va falloir que tu te fasses beau. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont buggés, regardez !
Ah, j'avais déjà vu ça sur Twitter quand c'était sorti le jeu, mais j'avais jamais vu. Mais regardez-moi ça! Bon, ma foi, eh ben, écoutez, moi, je vais à l'endroit où je suis censée aller. Ah bon, c'est bon, chacun sur son chocobo. Ils se sont remis d'accord. Ah oui, ils sont vraiment en marche, les envahisseurs, là. Oui, bon. Moi, je m'en fous, je suis à dos de poulet, je me casse. Hein. Ah, mais vous êtes sérieux? Mais j'ai encore fait une descente... Ma foi originale. Vous savez que normalement, les chocobos sont censés pouvoir nous aider. Alors, peut-être qu'ils ont plein de niveaux, je sais pas. Mais quoi, j'ai fait un assaut ellipse. Ah, attendez. Il veut un assaut ellipse, mais que avec triangle. Bah, figurez-vous que Noctis ne veut pas le faire, donc voilà. Tant pis, nous n'avons pas pu accomplir l'objectif. Et Ponto, il est en train de clapser encore comme 95% du temps, c'est abusé. Allez. Et d'ailleurs, donc je vous parlais, j'avais regardé du coup le let's play d'Ato pour voir où est-ce que je me situais. Et en fait, j'ai un niveau supérieur à lui à ce moment. Enfin, au moins de Titan. Après, j'ai pas regardé l'épisode suivant s'il avait un meilleur niveau pour Ramu comme on est en train de faire. Mais on a un niveau bien suffisant normalement. Donc vous voyez, là j'ai pas trop d'XP donc ça servira à... Qu'est-ce qu'il a ? Oh, mais l'autre il crie tout seul. On rentre jouer aux jeux vidéo. Rentrez où ? Dans notre chambre d'hôtel. Dans tes rêves, oui. Eh ben. Oh, mais ils sont partout. Oh, j'ai pas regardé le temps qu'on avait mis. Je suis bête. Ouais, bon, on n'a pas mis tant de temps de toute façon. Et là, on est à 1 km 500. En fait, je crois qu'on va globalement pas loin de là où on était tout à l'heure. Je me disais pourquoi est-ce qu'on a de l'XP en fait, mais c'est dans les compétences, j'avais mis ça la dernière fois. En fait, voilà, quand on a deux piafs, on gagne de l'XP. Bon, écoutez, je vais vous faire une ellipse jusqu'à ce qu'on arrive là où c'est prévu, à moins qu'il papote des choses intéressantes et je vous mettrai ce moment-là sinon. Quoi, y'a rien? Avec un son téléphone ou quoi? Y'a quoi là? Vous voyez quelque chose vous? Ah oui, le crapaud. Voilà, je vous montre juste vite fait le crapaud. Hein. Bon, on va se faire, vous savez quoi? Si Noctis veut bien descendre. Ouais, on est descendu un peu violemment ma foi, mais bon, c'est pas grave. Niveau 27. Ah, mais c'est vrai qu'on. Oh là là, ça va doucement en bas dans ma partie, maintenant j'ai défoncé en 2D, d'ailleurs ça fait bien longtemps que je suis pas allée sur ma partie. Vraiment vivement qu'on finisse, enfin vivement, je suis pas appréciée spécialement non plus, mais quand on finira le let's play, j'achèterai les DLC et ça permettra de découvrir du nouveau contenu, ça va être sympa. Et je sais pas si à ce jour les autres sont sortis, je sais que celui de Gladio et celui de Prompto le sont. Les autres je ne sais pas. Ah mais il est pas mort, bah pourquoi vous m'avez coupé la musique? J'ai l'impression qu'il était bugué lui encore. Hein. Au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Bon, écoutez. Non mais je sais pas, j'ai l'impression que ça descend pas. Je crois que le jeu a bugué sévère, ma foi. Et là ils vont nous faire le coup qu'il y a les impériaux. Pourquoi ça fait tant de bruit? Ils sont venus avec des machines ou ils sont juste entre eux? Tu pars pas, hein, Chocobo, hein. Ah oui, ils sont venus avec une machine. Non mais alors, la fille qui ne décollera jamais. On va faire la machine parce que je crois que ça donne pas mal d'XP. Alors là, depuis tout à l'heure, j'attends pour qu'il descende. Hein, mais c'est long, je sais pas ce qu'il a. Pourtant, il a fait une mise à jour il y a pas longtemps. Je dois avoir la dernière version. Mais... Oh, 45. Mais vous avez brillé ou quoi? Je suis niveau 30, moi. Bon, attendez, il faut qu'on donne tout là pendant qu'il est vulnérable. Alors, je n'y vais plus. Faire un assaut, voilà. Et alors? Je l'ai alors. Ah oui, il rigole zéro quoi. Attendez, je vais attendre que quelqu'un me retape parce que je crois que j'ai pas énormément d'objets de soins. Et là, si on enchaîne sur Ramu. Ouais, bon, écoutez, tout le monde qui m'abandonne lâchement. Non, si ça va mettre quelques objets, je pense que ça doit le faire. Ça, c'était bien casé, je suis fière de moi. Alors, je pense que ça va finir en arsenal cette histoire. Ah si, c'est bon, il est à nouveau vulnérable. Ok,
Parce que là, quand il est vulnérable, ça descend bien, mais il reste du temps. Oh, j'ai fait 400 dégâts, c'est pas énorme. Hein. Ah, je suis content, t'es mort, mais non, il attend juste. Oh, j'ai failli pas appuyer parce que je restais appuyé en fait pour le combo alors que ça ne sert à rien. Ok. Donc lui, au niveau 45, c'est fait. Et on va regarder combien on gagne d'XP pour savoir si on a bien fait de passer un peu de temps ici. Ah d'ailleurs, là qu'on est dans une grande plaine, peut-être que Titan pourrait venir nous aider vu qu'on est mal en point. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Franchement, si ça arrive, je serais très étonné. Hein. A partir de maintenant, vous savez quoi, on va compter le nombre de fois que Titan vient dans l'esprit. Juste Titan. Hein. Enfin, à mon avis, on risque de finir à zéro. Hein. C'est une possibilité. Vous savez quoi, ça me saoule un peu. Il reste qui là? Oh là, mais Prompto, il est dead déjà. Ça, j'ai pas eu envie d'utiliser une queue de phoenix, mais d'un autre côté, il va pas gagner d'XP sinon. Ah bah tant pis pour lui, hein. Il avait qu'à pas clamser. Hein. Mais regardez-moi ce crapaud! Pourquoi je peux pas? Non mais, je vous dis que le crapaud, il est définitivement bugué. J'ai pas regardé l'XP, vous y croyez? Bon, j'étais à 1000 et quelques... Ouais, j'ai pas regardé. Je pense qu'on a gagné... Je crois qu'on était à 1000 là, quand on a eu le truc de Gantiana, on a dû gagner 2000 à peu près. Plus ou moins. J'ai pas fait attention. En plus, je vous en parle depuis tout à l'heure et je fais pas attention au final. Quel génie. En douceur. Allez. Bon, normalement, là, je vous fais une ellipse jusqu'à ce qu'on arrive. Genre, vraiment. A tout de suite. Qui aurait pu croire que les dieux allaient lui refiler tout leur pouvoir, hein? On peut même dire qu'il est quasiment un dieu vivant désormais. Ok, on a changé de vie en quittant Insomnia, mais là c'est délire. Après Ramu, c'est le tour de Léviathan, c'est bien ça? Tout à fait. J'imagine que Luna nous a facilité la tâche, comme toujours. Ce qui veut dire qu'elle devra aussi en payer le prix. Hé, Nock, en haut! Dis donc, ça souffle par ici. Oh, on m'a coupé fichu là! Et encore? T'as pas vu Ignis? Oula, ça fait mal. Lâchez-moi un peu. Oula, vous voyez que j'ai un peu n'importe quoi, c'est parce que j'ai essayé de grimper dans les montagnes, comme je disais, ce traumatisme de longer pendant 1000 ans, j'ai vu que j'allais le refaire là. Bah, 400 mètres, qu'est-ce que je vais vous raconter pendant 400 mètres? Ah, mais on retourne au relais? Non, mais vous allez voir qu'on retourne genre à côté de là où on était au début. Parce que là, on est d'accord, là c'est le relais Chocobo. On a vraiment fait un. Ouais, on a fait une boucle quoi. Ça fout vraiment de notre gueule le jeu. Parce que là, normalement, j'avais pris le chemin le plus court, hein. Vous savez, je suis ce qui me fait. Chercher les tombeaux royaux. Oui, ne t'inquiète pas. On a juste fait un petit détour. Nock a besoin du coup de pouce de ses ancêtres. Les morts attendront. Le fulguréen, lui, est vivant et moins patient. Pas question d'arriver en retard. Ah, vous avez vu, il y avait un truc rougeant. Ah ben, c'est pas passé loin cette fois. Ça signifie qu'on approche. What? Hé, hey, regardez. Mais vous avez vu, les quoi, elle a fait n'importe quoi là. Vite, on est vraiment obligé d'entrer. Caverne de l'Est. On arrive. Allez savoir ce qui nous attend là-bas. Restons prudents. T'inquiète. Oh! On dirait que c'est super profond. Oui, je me demande bien jusqu'où ça va. Oh, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Un danger nous attend à chaque recoin. On évite les recoins. Pigez. Oh hey, on évite les recoins, c'est une idée. Ah. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah oui, tu t'as trouvé le truc que je viens de ramasser en fait. Tu es plus de ma gueule, c'est moi qui l'ai vu et... Et c'est toi qui l'a trouvé. Ah, il y en a un ici aussi. J'ai même pas fait gaffe à ce que c'était en plus. Bout de métal rouillé, ça on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais. C'est pas très important. Je préférais trouver des armes coquilles fossilisées. Très bien. D'ailleurs, faudrait qu'on retourne voir un de ces quatre. On pourrait passer par là. Essayons. Comment il s'appelle? Le mécano là. Avec Cindy. Oh, j'ai zappé son nom, dites donc! Bon bref, vous voyez qui c'est quoi? Cid! Cid, évidemment, Cid, qui est dans pas mal de FS. Même si moi j'en ai connu que celui du 13. Moi, perso, je suis à l'aise. Cid Reigns, je crois que c'était ça. Il était chiant dans le 13. Hein. J'en ai bavé, hein. Pas tant que ça, en fait. Pas un mot. Hein?
Ils sont au niveau combien, j'ai pas vu? 13, ça va. Le niveau de la batterie est faible, eh bien oui, bah écoute. On changera si besoin. Et niveau 13, vous voyez comme on galère, c'est honteux ça. C'est vraiment sacré. Hein. Allez hop! Oh, je suis désolée si je suis un peu endormie là, je sais pas, c'est. Je sais pas d'où ça vient, pourtant j'ai la pêche aujourd'hui, ma foi, mais c'est vrai que là, les moments de combat, c'est pas toujours facile de. Oh waouh, ce bruit! Pas toujours facile de trouver des choses à vous raconter, puis moi, c'est vrai que j'aime bien les let's play où ça parle. Alors peut-être que ce sera pas votre goût, vous me direz, mais. Dites-moi si vous voulez que je me taise un petit peu ou si vous aimez bien que je meuble. En tout cas, quand il parle, j'essaie de pas trop parler. Ça devrait aller. Garde la tête basse. Normalement, on dit plutôt l'inverse, mais ma foi. Ah. Ah non, échalote. Qu'est-ce qu'il y a, Inès? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Je sais que c'était les fleurs de Ténébrae, mais je suis bête, on n'est pas Ténébrae, donc je ne pouvais pas être ça. C'est pas le moment. Oh, mais laissez-moi ramasser des échalotes tranquille, là, oh. La phrase improbable, vous savez. Tout se faire agresser par des petits diablotins là. Ah, des bonbons, voilà, ça c'est encore mieux que le reste, hein. On est tous au courant de ça. Allez, hop, bien joué, il va nous calmer tout ça. Ouais, ça c'était pas foufou, hein, son attaque. Ça agite beaucoup pour pas grand chose. Vous sentez que je vais clamser là ou pas? Moi je le sens plutôt bien, ouais. C'est vrai que Ignis en chantement là ce serait pas dégueu. J'ai l'impression qu'il y avait longtemps à monter la jauge. Peut-être que j'avais un objet pour que ça monte plus vite, je sais plus, parce que là j'ai l'impression que ça rame. Allez, là on a l'élément, on va lui fracasser sa tête. Nickel. Ok, ça va beaucoup plus vite comme ça. Maintenant je vais pouvoir enfin prendre mes petites échalotes. Nickel. Je peux continuer maintenant, je suis sereine. Ok, il se croit qu'il fait du parcours Noctis, il saute les petits cailloux, il a été contourné. Encore ! En plus, j'ai pas l'impression qu'ils aient donné beaucoup d'XP parce qu'on a fait quoi, 2 ou 3 combats. On a pas gagné énormément, mais bon après vous allez me dire c'est le début, mais... C'est mieux quand même que ça monte vite là, les machines... Putain, ça me saoule de pas avoir regardé, mais je suis sûr qu'on a gagné masse d'XP là et je les enchaîne hein, s'il faut les machines. Parce qu'on n'a pas trop galéré au final, on a juste perdu prompto, mais comme 4. Voilà. Je vais pas ressentir mes pourcentages, mais bon, voilà, souvent on perd prompto quoi. Alors que prompto, là, il a un objet pour avoir plus de PV parce que sinon il aurait pas tant de PV hein. Oh putain, il m'a fait peur hein. Oh, mais faites pas des. Faites pas des choses comme ça, vous avez entendu le bruit là comme... Non, c'est pas possible. Effectivement. Ça, c'est bruit à la fin, vous savez, ça me fait penser dans Tales of Symphonia, c'était pareil, il y avait des monstres quand ils mouraient, mais ils gueulaient pendant 3 ans, quoi, c'était abusé. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini ni... Alors, si j'ai fini Grace, j'ai pas fini ni Xillia. Attendez, non, Xillia 2, j'ai pas fini. Xillia 2, on est bien loin de la fin en plus de ça. Hein. Xillia 2, j'ai pas fini, et avec Mikleo, là, comment il s'appelle? Zestiria, il a dit ça, Zestiria? Oui, Zestiria, c'est ça, parce que mon frère me souffle les choses d'en bas, n'est-ce pas? Zestiria, et pourtant il y a Berseria qui est sorti début d'année, je crois. Hein. Mais j'en suis pas là. Je me contenterai de les contourner. Oui, ramasse s'il te plaît. Un bout de métal, ah bah ça valait vraiment le coup de se taper tous les combats pour ça. Alors ça, j'ai toujours pas fait de magie, donc voilà. C'est ce que je pensais, je n'ai toujours pas de place. Alors par contre j'ai pas regardé le chemin qu'on a pris. Parce que là je pense que c'était en haut, de toute façon j'aurais pas pu. Non mais vous savez quoi, on va tracer. Et là j'ai à nouveau le choix entre deux chemins, mais... Ah non c'est bon, lui c'est un pit-sac. Oh, allez, une petite arme, ce serait cool ça. Une sphère magique. Ah du coup ça me fait une place de plus. Ah c'est bien ça, heureusement qu'on l'a chopé. Ah j'en ai deux, regardez-moi ça. C'est chouette qu'on gagne une par chapitre, enfin je suis pas sûre de ce que je vous raconte, mais il me semble que c'est une histoire comme ça. Et donc ça fait un pour le chapitre précédent et un maintenant. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais conserver. Ok, c'est bon.
et de la glace. Donc là, voilà, je mets pas de fioritures avec, ça ira très bien. De toute façon, vous voyez qu'on... On les utilise pas. Alors déjà, parce que j'y pense pas. Puis surtout que finalement, on se sent plutôt bien sans, donc... Donc y a pas trop d'intérêt à les sortir. Ah, j'ai cru que... Attends, mais ça me stresse, j'ai l'impression de refaire ce qu'on a fait. Oh putain, il m'a fait peur! Oh, mais c'est horrible, arrêtez! Je... Oh là là, mais... Oh, j'étais pas bien quand même, le plan là, ça m'a un peu stressé, hein. Ah, je crois que c'est bien, je vais mettre ça en miniature, vous savez quoi? Ah, mais Ramu, il a quand même plus de classe que ces gobelins. On va voir combien de temps on met à aller jusqu'à Ramu. Et si on le fait dans cet épisode ou dans le suivant, mais sinon je pense que je vais mettre ça en miniature. Faut que je me reprenne là, que je refasse les miniatures parce qu'elles sont... Oulala, ben, faut que je me reprenne aussi dans le jeu, ma foi. Bon, vous savez quoi? Là, je vous disais qu'on les utilisait pas, ben on va en utiliser. Le problème, c'est que ça a cramé mes amis. Ah bon, bah, génial. Et c'est donc comme ça qu'on utilise la magie. Putain, je vous jure. Alors, bon, c'est bien, ça a bien défoncé parce que de toute façon, on avait vu tout à l'heure, je crois que Ignis il nous avait fait enchaîner, il nous avait mis le feu, hein. Non? Ah ouais! C'est peut-être une connerie, attendez, on va vérifier très vite là dès que le deuxième segment est plein. Parce que là, ils nous en ont mis la masse, hein. Niveau 13, comment on peut passer autant de temps là-dessus? C'est honteux ça. Bon, ça meurt tout ça. Ouais, non, je vais pas mettre enchantement, c'est la fin là, autant... J'ai autant le garder, mais non, je suis bête, de toute façon, je peux pas les garder les segments. Ok, on va refaire le plein de magie, du coup, maintenant qu'on a de la place. Oui. 4002, non, tout à l'heure, on a regardé, on était à 4100, hein, c'est ça. Ça donne rien du tout, ces gobelins, là. On passe 3 ans pour rien. Du bombo. C'est encore pire que les gobelins, ça. Attendez. Ah, oh, purée, je vais pas m'y faire. Ah, mais faut que je passe devant les bombos, de toute façon. Non? Ah non, je suis con, il faut que je repasse par ma petite fente. Je suis perdu là. Oui, c'est ça. Ça, on l'avait ramassé, du coup, c'est bon. Ok, et là, que personne me saute dessus. Hein. Voilà, le petit objet qui nous attend au bout. Bonne nouvelle, attendez, je vais mettre un petit peu droite. Voilà. Comme ça, je vais... Vous m'entendrez mieux, je vais me motiver. Parce que quand on est trop allongé, c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos debout. Parce qu'on a plus de peps, plus d'énergie et de concentration, parce que sinon on s'endort un petit peu. Enfin, perso, je sais pas vous, moi je me suis déjà endormie en jour. C'est quelque chose, ça ne me pose pas de problème. Hein. Quand j'ai sommeil, je dors, c'est tout. Hein. Bougez-vous. Hein? Ouh là là. Vous avez entendu? Ah, attendez. Ah oui, ok, je sais ce qui va se passer. Ok. Prends-toi. C'était quoi? Hey, ça va aller? Voilà. Ils sont là. On vient de perdre Prompto. Par rien, j'ai chargé son bébé. Donc, ouais, moi, je vais rien dire, mais il y a un souvenir qui vient de me revenir là, rien de terrible. Hey, tout va bien? Absolument pas! Cet endroit, c'est un cauchemar! Et moi qui ai horreur des serpents! C'est quoi, c'est une araignée, ça, non? C'est pas trop hein, ce qui se passe. Il s'arrête jamais. Mais nous. C'est quoi? Ah, c'est une sorte de poulpe ceci, oui. Oh, les flageleurs mentales, c'est chiant. C'est eux? Non, c'est pas eux qui soufflent et qui paralysent encore. On n'en est pas encore là, mais quand on aura cela, mon dieu quoi. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'était la grotte où vous savez, on glissait tout le temps la dernière fois. Ça y ressemble vachement. Bah non, il n'y a pas de gaz, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que toutes les grottes se ressemblent en fait dans ce jeu, ils sont pas trop emmerdés. Même au final, là je vous parle pas mal des dédales, mais les dédales c'est des salles avec des monstres dedans et y a rien. Voilà. Comme donjon qui a la classe, je sais pas, et je crois qu'il y a que Costelmark, hein, même si je le hais profondément, ça a la classe. Enfin, ça a la classe, ça ressemble à quelque chose. Ça me fait un peu penser à Pandora's Tower, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous conseille ce jeu. Alors, c'est un jeu sur Wii, donc les graphismes,
c'était pas foufou. Alors les boss étaient bien, les combats de boss c'était vraiment sympa, c'était assez épique hein. Généralement ils étaient pas facile. Il y a cette histoire avec Elena donc, qui se transformait en monstre, il fallait lui ramener la chair de monstre dans le temps avant que sa jauge soit dans le rouge, sinon elle vous bouffait tout simplement. Et il y avait cette histoire d'entretenir un lien avec elle, vous savez, et puis, selon le lien qu'on avait avec elle, et ben, elle nous donnait des cadeaux ou pas, ou se passait plus ou moins certaines choses quoi. Pas tout pour raconter non plus, mais l'idée c'était ça, c'était de faire les donjons pour Elena justement. Oui, Elena c'est ça. Pour Elena et le lien qu'on avait avec elle. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est une... des ghouls là? Non? Comment il s'appelle celui-ci? Pour ça. Bref, vraiment sympa et les musiques des boss et les combats de boss c'était juste waouh quoi. J'allais rajouter un truc mais non, je vais pas le faire. Ah oui, on pouvait aussi un petit peu augmenter son équipement. Il y avait un système d'expérience, ouais. C'est vrai, et par contre on n'avait pas énormément, on n'avait pas beaucoup d'armes et on... Je te le fais pas dire. Oui, les armes on peut les améliorer. Hein. Et je vous dis ça parce que c'est lointain. Et il y a un donjon, enfin une des tours qui était vachement compliquée. Franchement j'étais perdue, vraiment. J'avais dû carrément regarder le solution sur internet. Je me souviens, j'étais même avec Charlène à l'époque et elle me dictait le chemin. Je sais pas, j'espère pas que je vous ai déjà raconté tout ça parce que j'ai une tendance à me répéter, j'espère pas pour vous. En tout cas, ouais, Pandora's Tower, si vous avez la Wii, n'hésitez pas. Hein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est surprenant. Enfin, qui est surprenant. Ah, il faut raison garder, hein, comme disent les gens jeunes, n'est-ce pas? Que la boîte, en fait, elle est noire, alors que les jeux Wii, ils avaient une boîte blanche. Ben, cette boîte, elle était noire. Et... C'est un peu l'angoisse du jeu. Même dans la boîte, c'est soigné. Du calme. Ah, bien sûr, c'est le truc qu'on n'a pas fait, hein. Faut pas nous faire le coup que... On va devoir utiliser l'électricité, alors c'est le seul truc que j'ai pas quand même. Hein. Alors on y est presque, là il y a un truc qui va nous tomber dessus, vous voyez cette grande salle magnifique. Et comme on marche à deux à l'heure alors même que je veux courir. C'est moi où j'ai dû et c'est TP là. C'est carrément TP, on est d'accord. Hein. En fait je fais le tour pour voir s'il n'y a pas des objets. Il y a deux chemins. Je sais pas, on va passer par là. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait deux chemins, oh, c'était le bon chemin, ok. On n'a pas fait tout le tour, mais ça m'insupporte quand il marche à deux à l'heure comme ça. De toute façon, les meilleures armes, on les trouvera. Vous allez me dire, ouais, mais les dédales, c'est à la fin. Ah bah là, on a un dédale. Pourquoi long? C'est pour nous empêcher d'entrer? Ou alors, pour empêcher. Impossible, c'est bloqué. Ah, mais il est revenu contre toi, j'ai même pas vu quand il est revenu. Normalement constitué possède sa clé. Mais si ça se trouve, il y a une clé magique qui permet d'ouvrir toutes les portes, comme dans les jeux vidéo. Ah, voyons. Ils se font des clins d'œil tout seuls, ils sont insupportables. C'est comme Nintendo dans leurs jeux où ils se font des clins d'œil entre eux-mêmes quoi. Ah, bonjour. Noct, aide-moi. Commence par t'aider toi-même. Naga, elle est vilaine, hein. Et si on le savait, j'en ai pas la moindre idée. On va lui demander si on le savait. Mais si on le sait pas, dans tous les cas. Ouais. Bon, dans tous les cas, on a allé se taper dessus. Ah, c'est vrai qu'elle est, elle est bien flippante, hein. Vraiment, y a pas à tortiller là-dessus. Elle est bien dégueu comme il faut, t'inquiète. Niveau 30. Oh, ça descend vite. Sa vie descend vraiment super vite. Alors, on va faire le petit coup avec Prompto. Alors, d'ailleurs, faudrait que je vous montre un de ces 4. On peut changer les. Bah, je vous ai déjà montré hein, pour enchantement pour Ignis par exemple. Mais en fait, ils ont tous plusieurs attaques. Mais Prompto, je crois que je vais plus ou moins toujours laisser balle perçante. Hein, J'aime bien le petit sifflement, vous savez, qui l'accompagne alors. Allez hop. Ouh là là, attaque mixte. Non mais ça y était pas avant. Ah oui, il fallait je mitraille, j'ai oublié. Et voilà, c'est déjà fini. Ah, vraiment pas fait long feu. Hein. Là, elle nous a rien laissé derrière elle, on est d'accord hein. Non, pas du tout. Mais de quoi ok.
Aucune idée. Je sais pas, un truc sur son enfant. Ah, s'il lui ressemble, je suis pas pressé de le voir. C'est la dernière stèle. Ah, c'est pas trop tôt. Noct, à toi de jouer. Alors c'est ça ? Le pouvoir du foudroyeur ? C'est marrant, j'imaginais plus de feu et d'explosions. Peut-être que certains dieux sont plus sympas que d'autres ? Pour certains, carrément pas. Luna, on sait quelque chose. Ça va aller, tu vas bientôt pouvoir la consoler en personne. Y a qu'à traverser la mer ! T'auras qu'à lui faire ton plus beau sourire. Compte sur moi. Le pouvoir de Stel s'est concentré pour former la faveur du fulguré. Hein. Rami pourra parfois intervenir en déchaînant sa foudre du jugement lorsqu'un combat dure trop longtemps. Retourner à l'entrée, oui, on va pas tous retaper, c'est une bonne idée. Alors, effectivement, Ramu, par contre, lui, il va venir nous aider, c'est pas comme Titan, hein. Parce que Titan, voilà, on était dans une grotte, mais tout à l'heure, on l'a pas vu non plus, hein. Alors, j'aimerais bien juste faire un petit combat où on l'invoque. Ça y est, il pleut plus. J'imagine que Ramu en a eu marre des averses. Oh, c'est énorme! Il est bien plus gros que celui de l'autre fois! Allô? Ah, Noct, en ce qui concerne la voiture. Ouais? Je l'ai retrouvée, mais dans une base impériale. Non, c'est pas vrai. Normalement, j'ai pas de problème avec les autres garages. Mais amadouer des impériaux, ça va pas être facile. Te prends pas la tête. Hein ? On va se débrouiller. T'es sûr que ça ira ? Ouais, aucun souci. Allez, à plus. C'était qui ? C'était Cindy. Quoi ? Mais tu peux pas lui parler comme ça ? Bah, la preuve que si. Est-ce qu'elle avait une info intéressante ? Ouais. La voiture est dans une base impériale. Oh, bravo. Eh ben moi, j'ai qu'une question à poser. On va la chercher quand ? Autant y aller maintenant. Le plus ancien fandom a été ajouté au menu d'entraînement. Ouais, pas comme c'est j'ai juste mon fait, impression, mais je pense que ce vaisseau était censé arriver bien plus tôt ici. Le tonnerre et la foudre ont sûrement dû le ralentir. Selon moi, la Régalia va bientôt être transférée vers Niflheim. Je crois qu'on peut remercier le foudroyeur de nous avoir fait gagner un peu de temps. On a encore notre chance alors. Ouais, on doit passer à l'action. Ah ouais, je cours partout parce que je sais qu'ici, normalement, il y a un morceau de carte. Mais là, je le trouve pas. Écoutez. Merci. Ouais. On va s'arrêter là pour cet épisode. On ira donc chercher eh bien, la voiture dans le prochain, dans la base impériale. Avec un peu de chance, on pourra au passage invoquer Ramu et donc vous pourrez le voir. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine.